détruisons toute forme de tension dramatique. Ça met une tension, hein. Ouais, j'avoue. J'avoue, ça met grosse ambiance, hein. Bon, à sa place, je nous... Ou quelqu'un l'écoute ou... Non. Ouais, elle dit que il va y avoir de l'argent. C'est moi ou c'est un speech d'intro de la WWE en fait, avec trois catcheurs comme ça qui la pointent du doigt. Et je montre mon intérêt pour ce qu'elle raconte. Ouais, j'avoue. C'est... Ouais, est-ce qu'on monte sur un bateau et qu'on navigue, madame? Et qu'est-ce que tu sort regardes? Elle a du PQ. Elle a du... Non, attends, c'est des pièces. Elle écoute un coquillage. L'argent de Timmy. Ouais, tout ça. Et comment elle tient son... Comment son bâton il tient comme ça? Mais madame, mais laissez pas tomber ça! Mais... Allô, madame? You! Attends, elle secoue de la poussière. Non, par contre, regardez derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh! Mais, ok. Pendant ce temps-là, 4 tocards. Alors, son mumbo jumbo, il est bien joli, mais pour moi, ça reste une métaphore pour un vagin. Je le dis, mais... Dans la montagne ou pas dans la montagne, je veux pas le savoir, ça, madame. La connexion au serveur a été perdue, fantastique. Non. Franchement, bravo. Quoi? Si, si. Almond Bird. Almond Bird. Et pour rejoindre la session précédente, bien sûr. Donc, on se barre et on les laisse parler toutes seules. Hein. On dirait un peu ces jeux où tu fais un combat de boss qui dure une demi-heure, puis au moment où tu le bats et tu quittes la salle, tu tombes dans le vide et tu dois tout recommencer. Oh. J'en ai beaucoup trop fait des jeux comme ça récemment. Et ouais, je pense qu'on elle nous a banni en fait, genre ça suffit de faire les cons. Ouais, c'est ça. Oh. Et si tu veux, Maillard, tu peux mettre les voiles vertes. Rouge et vert, c'est dégueulasse, mais c'est pas... Alors, je sais pas si les deux sont combinables, j'ai un gros doute, hein, mais... Si. Enfin, non, ce sera moche, ça. Mais c'est combinable, je suis sûr. Attends, ça va être... Les voiles, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, là, j'ai l'impression d'être devant un Malabar Bigou, tu vois. Bah écoute, moi je fais ça, c'est pour la provoque, hein. En face il y a David Jones qui est là, ouais, crâne de squelette, c'est eux, tout on va ça, les couler et tout, et nous on est là, on a mis le klaxon. Elle est en train de raconter sa life en bas, et c'est là. Mais bien où... sûr, alors, c'est ça à faire, dire, quand tu passes ta vie sur une plage, quand t'es un coquillage, si tu veux, à un moment... Ça me rappelle un peu ces soirées parisiennes où tu vas dans la cuisine où il y a une contre-soirée, tu tombes sur quelqu'un à moitié bourré qui te commence à raconter sa vie. Mais toi, t'es juste là pour te servir à boire, alors tu fais « en te servant à boire avant de te casser. Ça, c'est un peu le principe. Et que cette personne t'explique toutes les injustices qu'elle a subies, qui sont généralement 70% des erreurs qui étaient extrêmement facilement esquivables. Ça a poussé 12 maladies trouvées sur Doctissimo. Et tu fais « ok, c'est bon ». Voilà, environ. Tu lui tapes sur l'épaule, tu dis « tu vas crever », hop, et tu vas finir. Regarde, dans le salon. Et bien sûr, ne pas oublier d'ajouter « je comprends » avant de partir. Ouais, je comprends, je compatis avec ce petit air triste. Ouais, mais t'as déjà fait ça en plus. Oui, peut-être la première fable. Oh là là. Mais traître. Oh là là. Ah, mais que voulez-vous? T'es vraiment à la hauteur de ta réputation, hein. Bon, en vrai, je pute, mais je suis très content que quelqu'un sache au moins ce qu'ils sont en train de faire, si tu veux. au moins une personne. Bon, et bien, les gueux, en route. Ouais, ça va, on roule. Bon! Effectivement, ben... on est. Oh la vache, on est vert et rouge, avant on est vraiment dégueulasse. On est immonde, hein! Mais c'est merveilleux! Ah, non, mais l'univers est poussé par nos goûts. Là, on pourrait étrangler, clairement. Tu dis que c'est dégueulasse, mais honnêtement, ça ressemble vraiment à une couleur historique, hein. Les mecs, ils avaient pas de goût à l'époque. Ouais. On pourra dire en vrai. On vient en Portugal et on revient à l'empereur. Être de mauvais goût, on pourra dire que c'est respectueux, finalement. T'es pile poil dessus, là. Là, t'es dedans. Là où on pénètre, c'est comme dans la petite sirène là, c'est Ursula, c'est Miam. Alors voilà, est-ce qu'on peut tirer l'oiseau? Oui, là on peut. Là on peut, donc... Ah bah vas-y. Le gameplay va bientôt commencer, avant 2022. Et donc ça, voilà. En face, on en fait quelque chose ou on fait le droitier? Alors, je crois que dalle, on va commencer à relever les voies là. Tourne à droite. Ouais, parce que là, franchement... Tourne grave à droite, non, lance l'encre. Ok, c'est bon. Aïe. Ça a piqué. Voilà. Mais non, regardez. Oh. Ça s'appelle le professionnalisme. Contrôle. Mais bien le sûr. Contrôle. Mais ouais. Et on n'a pas de carte, donc fantastique. Et alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de carte? Normalement, on va voir. Canon sur l'île la plus proche. Ok. C'est un vieux truc à dire.
Ok. Chacun son tour. Oui, oui. Je t'en prie. Okay. Il y a une méthode pour atterrir sans se faire mal ou... Non. Ah, je vous aime. Aïe. Ok. Allume sa torche. Alors, ouais. D'après les premiers indices, la personne est morte. Ah. Moi, je pense que t'es terriblement pessimiste. Hein. Non, mais alors, je pense pas ce qui te permet de la tester, perso. Moi, moi, je pense que c'est l'albatros qui est coupable. Avec c'est le chandelier. La voix spectrale, c'est pas David Jones, ça ? Non. Non, c'est juste un spectre à la con, il est même pas célèbre. Okay. Exactement, c'est nul, hein. Il était même pas célèbre quand il était en vie, il est même pas célèbre quand il est mort. Il a rien, il est. Il a même pas Twitter. Il est encore sur Facebook, le gars. Ah, ok. Faut faire de la musique aussi. Yo ho, yo ho, une vie de clodo. Okay. On abrite dans une grotte, on chie dans des pots, vivons la vie de clodo. On est pirates somaliens. Ah, qu'est-ce qu'on est. Ok, stylé. On meurt du scorbut et la chiasse nous bute, vivons une vie de clodo. Dis donc, tu es mélomane. Ouais. Juste pour juste les le charme, hein, et pourtant madame ne dit pas ça à tout le monde. Profites-en bien là. Ah, ça brille à donf. J'ai. Yes. J'ai. Alors, une poutre. Et pour le jeu, tu crois que les réunions de développeurs devaient être quoi pour faire cette intro de. Genre. Comment on fait pour meubler les amis? Je ne sais pas. Tu sais que la fameuse blague, c'est qu'ils prennent tout le temps de la cocaïne et que c'est pour ça qu'ils font des gameplays complètement ouf, machin, tu sais et tout. Mais là, clairement, il y avait le Covid, il y avait pénurie. Hein. Bah ouais. Là. On va faire un truc stoïque. On va faire un truc sans saveur. Voilà. On fait un truc! Ouais. J'ai allumé. Il y a. C'est rien passé vers nous. Si, si. Enfin, c'est de mon côté en fait, c'est à l'entrée, tu vois, Bob? Là où je suis. Ah oui, il y a des pirates fantômes, d'accord, sur un bateau et tout. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je peux être. Ah voilà, non. Il faut attendre qu'il... Ah la roule. Ah oui, donc il faut encore attendre. Mais c'est fantastique. Les mecs, ils ont tellement cerné leur public qu'ils possèdent une Xbox. Est-ce qu'on peut pêcher des poissons? Est-ce que si... On peut pêcher des poissons morts. Voilà. Des poissons fantômes, ce serait stylé. Hein. Bah ouais, c'est ça. Genre, tu l'attrapes, il passe à travers ta main, tu vois. Le truc pas frustrant du tout. Attention, attention, attention. Oh, si, je peux... Ouais. Mais bien sûr que si, en fait. Ah mais oui, il y a des poissons. J'ai essayé de te prévenir, hein. Ouais, mais je me... Vas-y, on a le soutien psychologique, vas-y. Allez. En plus, ça chauffe un gros, donc ça va prendre 3 plombes. Oh, décidément, ça va être la partie la plus excitante que j'ai jamais fait. Attends, parce que là, ça reste quand même le truc le plus excitant qu'on a vu depuis le début, hein. Ah, je mets du gaming, moi, chez les Xbox R. C'est ça, tu le tiens. Vas-y, ouais, là il faut le ramener par contre. Ah non! Non! Oh, non! J'ai lâché! J'ai libéré! C'est un peu dans l'esprit d'écouter quelqu'un parler pendant 30 minutes avant que ça déconnecte. Et tu vois, je suis vraiment content d'être dans une caverne, sinon je pourrais pas faire NULOS! Voilà. Tu vois, ils ont pensé à toi. Mon poisson! Merci. Ah ah! El pognon! El dinero! Eh si, me gusta mucho! Elle mais pourquoi vous prenez tous des accents? Parce que Pirates des Caraïbes, l'Espagne, tout ça. Parce que c'est des galions espagnols. Ah d'accord. C'est du pognon si tu veux. Ton test, t'as pas l'ostacos. Genre tu vas pas trouver des francs en or si tu veux. Está muy bien. Y claro que si. C'est des louis mais. Alors je sais dire, claro que si, mais parce qu'il y avait la couverture de mon livre d'espagnol qui s'appelait claro que si. Mais c'était j'avais le même, j'avais claro que si. Mais attends, mais toi, Emmanuel, tu n'as rien appris. Oui, est-ce que c'est une vraie map ou c'est de la déco? C'est de la déco. Mais merde. Une décision de gameplay qui aurait pu être intelligente. Ça est le poisson, mais c'est pas grave. Ouais, j'avoue. Ubisoft, Electronic Arts. C'est donc ici les OPSP VPN alors. Très bien. Eh écoute, hein, je propose qu'on en rediscute à bord de notre fier galion, le Red Shadow Legend. Aïe aïe. Le mec, il était pressé, je comprends pas, et tout ce qui s'enchaîne, je vois pas pourquoi t'es impatient. Oui, ça glisse, c'est génial. Attends, on va pas l'abandonner. J'ai trouvé. T'y arrives?
Ouais, mais il va falloir que tu redresses le mât pour te mettre. Ouais. Est-ce que c'est le rafting en mode Joe Martin? Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Venez, on peut le refaire. On peut remonter, on peut. Aïe. Toujours, tu sais, quand t'es gosse, t'as toujours voulu remonter. Le toboggan pour le refaire et tu pouvais pas le faire parce qu'il y avait toujours des relous qui t'empêchaient. Mais là tu peux le refaire. C'est vrai. Et bien maintenant il va nous raconter sa vie parce que ça fait un moment que personne n'a raconté sa vie. C'est vrai que c'est dommage. Ouais. J'ai un crâne qui me parle à la main. Est-ce que je peux demander un peu de soutien de la part de l'équipe? Est-ce que vous pouvez jouer une musique? Mais bien sûr. Parce que j'ai les mains un peu pleines d'un connard. Et bien venez par ici mes petits amis. On tue. Merci, hein, parce que la musique aide à couvrir le son de sa vie, en fait. Tiens, c'est tellement causant, on dirait un film français. Le trailer d'OSS 117 réuni dans l'intro de Sea of Thieves. Mais ils sont à deux dialogues d'être financés par le CICE. C'est ça. Et il manque le côté et soudain, les pirates font une crise de la quarantaine et décident de partir en vacances. Mais en chemin, ils rencontrent des migrants qui leur font découvrir les plats écolo, vegan. Et donc, ils décident de monter une coopérative tous ensemble. Mais il y a le vieux frère riche devenu trader de l'un d'entre eux. Sachant que leurs enfants rencontrent des étrangers, ils tombent amoureux. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et le titre du film, c'est Au bord du gouffre. Ouais, parce exactement, avec Romain Duris, Cadmerad et Léa Seydoux. Imbloquable. Tu sais, quand on se réunit pour jouer en Team Squad, au lieu de juste dire vérifier la technique que vous avez installé le jeu, faudrait juste dire aussi, faudrait ajouter, n'oubliez pas de faire les intros. Moi je me sens désolé pour Maillard parce qu'il était tellement hypé, c'était waouh, une nouvelle update avec Jack Sparrow et tout, je suis sûr qu'il va y avoir des canons, il y a des kraken et tout, et en fait, c'est juste dialogue. C'est juste, on est juste en. Ouais, voilà, on est dans l'administration française et on est en train de nous expliquer qu'il faut le formulaire 28B pour aller valider la circonférence des boulets de canon qui rentrent dans. Il y a un livre à lire sur le côté, hein, c'est les impôts de Jack Sparrow au passage. Oh là là, le caméo! Yes. Allez, je vous laisse faire. Hein. J'espère que tu touches les droits d'auteur. Ça va être chiant, là. Je vais pouvoir lui mettre le doigt dans le nez. Ça, c'est important. Non, ok. Quelqu'un a une clé? La clé du squelette? Oui, c'est le chien qui a la clé. Je suis en train de la prendre du clébard. Lâche l'affaire. Voilà, c'était bien. Allez, le chien. Non, mais il suffisait juste de pas avoir une haleine de croquette pour avoir son attention, si tu veux. Voilà. Et c'est la voix de Johnny. Non, c'est de. Il y a un autre doubleur en fait. Ah bon? J'ai juste cet après-midi. Apparemment, pour des trucs d'animation et dessins animés, il y a un autre doubleur. Ah, très bien. Bah, un doubleur qui coûte peut-être 50 000 fois moins cher. Et qui mettra pas des histoires de procès pour harcèlement sur la table. Son emploi du temps est plutôt chargé. Hein. Aux yeux, pourquoi tu as tout sali? Pourquoi tu as tout sali là? J'étais dans la magie de Disney. Oui, je sais, j'ai bien vu que tu étais enchanté parce que nous vivions. Je me suis dit, je vais quand même pas faire quelque chose. C'est ça. Le mec était en train de s'enjailler, c'est inacceptable. Pense aux enfants qui se sont dit, je vais enfin pouvoir jouer au jeu Disney et qui, depuis 10 minutes, activaient des poutres et des barils. Là. Non, d'accord, il est encore à l'étage en dessous. Hein. Non, mais il a pas fini de parler parce qu'ils se sont dit ça. Ouais, mais c'est un processus, hein. Alors, vraie question que je me pose, c'est en tant que dev, à quel moment tu dis que c'est. Qu'on arrive à des niveaux d'excitation qui dépassent. Au moment où tu reçois ton chèque. Ah. Non, mais là, il y a tellement d'excitation que le meilleur mot pour qualifier ça, c'est turgescence. Ah. C'est le nom d'une quête ou ça? Turgescence, c'est pas exactement une quête, c'est plutôt une quête. Excellent. Dis donc, vous seriez pas propre. Les grosses têtes. Et vous croyez qu'on peut juste aller voir Jack et faire de la musique et attendre que l'intro passe? Je ne sais pas, mais j'avoue avoir un peu peur que ce soit le cas. Voilà, je me fais vomir dessus. Bonjour madame, je suis en train de mourir. Moi aussi. Oh Dieu. Enfin, il faut tous nous sauver. Bonne chance. Ça tombe bien parce que si on meurt, on est sur le verre des morts. Il y en a un qui est en train de nous tuer nous, hein. Oh putain, ils nous mettent du fenouil. Aïe. Boop. Mais,
Voilà. Ça touche. Waouh. Pas mort. Deuxième sauce. Pas mort. Ouais. On refait par terre. Là, c'est pareil. Je sais pas qui leur tire dessus. C'est toi, Bob, qui tire au pistolet, hein, parce que c'est. Ouais, bien sûr que je les flingue. Gros gelé, c'est hein. La meilleure strat. Faut pas se battre au corps à corps, si tu veux. Machin manipule de la foudre, ils ont des bras en forme de crabe, ils balancent des couscous, enfin ils balancent des paellas à la gueule, moi à un moment je me calme. Oui. Non, il va pas tomber à la mer. Ouais, si. Il est tombé à la mer. On a perdu Jack. On a perdu la lampe. On a. Bon, après il est, perdu pas, il est pas perdu, hein. Il suffit juste d'un contrat hollywoodien et il revient si tu veux. Ah non, parce qu'on t'a dit que c'est le doubleur. Ah mais on peut tester un truc, regarde, il va revenir tout seul. Tim Burton ! Tim Burton sort un nouveau film ! Bon, non, deuxième fable. Après tout, on a décidé de souffrir. Souffrons ! Ah, on peut aussi aller en mer et piller des jeunes joueurs. Des gens qui... Non mais on a décidé de souffrir, souffrons. À un moment, on assume si tu veux. Et c'était... ainsi, le temps de chargement. C'était tellement épique. Que voulez-vous faire? Alors se pendre. Mais quelles sont nos options? Se pendre avec une corde, une corde en chambre. Les oeuvres. Moi je... Il veut plus souffrir. Mais moi je dis, Maya, t'as voulu nous embarquer là-dedans. J'ai envie de dire let's go fable. Allez, bon bah écoute. Let's go fable, mais la deuxième... Et attention, la deuxième, je propose qu'on fasse quelque chose d'inédit. Je propose qu'on fasse quelque chose qu'aucun streamer n'a osé faire avant nous, qu'aucun youtubeur n'a pu faire, et que, même les... non, et que même les développeurs du jeu, je suis sûr, n'ont pas fait. On s'intéresse au lore. Non. Ah. C'est-à-dire... Ce cri du cœur. Vous ne mourrez jamais. Le désespoir. Je résisterai jusqu'au bout. Est-ce qu'elle va raconter ses, sa life comme l'autre fois? Sa vie. Ah, avec tous les détails, bien sûr. Bien sûr, mais ce coup-ci, on s'intéresse. Ok. 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 Si je vais y, on va si je vais y croire. Ok, très bien. Ça. On est des enfants et on y croit. Ok. Oh, ah les non, amis, regardez des... un personnage mystérieux avec des quêtes. On est des, on est des adultes et on est là pour inspecter son gruyère pour voir s'il y a vraiment du fromage. Je vais voter pour le naufrage du Perle. Oh, allez, ça a l'air chiant à mourir. C'est parti. Bonjour, madame. Pouvez-vous me raconter votre vie avec tous les détails? Allez. Mais si en plus vous pouvez prendre un peu le temps, c'est bien. Ah, oui, assez en outre. On prend la vérité. Il aurait perdu sa liberté. Oh, nous. C'est Zygma qui avait raison, je comprends, je suis déjà largué. Va par là pour l'instant, on va esquiver les gros rochers. Ok. Ah par contre je vois rien du tout parce que... Non, c'est le problème du galion. Tu dis hein, c'est des rochers droit devant hein. Ou non, attendant, et eux c'est des tritons. Au secours. Aïe aïe aïe. Des tritons? Oui. Oui, c'est le nom masculin des sirènes. Ah. D'accord. Mais genre qui attaque ou... Oui. Mettre des quilles. Attends, ah mais non, mais moi je les ai jamais vus moi ça. Mais poignarde-les, tire dessus, fais quelque je chose! Je la tire dessus, je la tire dessus! Si c'est le créateur majestueux que t'as jamais vu, tu la butes. C'est la règle. C'est la loi américaine! Ouais. Si je vois attention, respect, je tire dessus! Ça touche! Oh, il est vexé, je lui tire dessus au tromblon, ça le vexe! Mais c'est la première fois que je vois les tritons, hein, c'est change là. D'arme ici. Le truc le plus excitant que j'ai vécu dans cette fable. Hein. Où est-ce qu'on change d'arme? La fable, ça fait partie du monde normal maintenant. Ah! Bon. Et on s'avance vers la quête palpitante de récupérer le Black Pearl. Le lore. J'y essaie de mettre tout l'enjouement que je... Tout ah ouais, non, que j'avoue, je c'est un... Et on tracte là. Hein. Mais dans le but de sauver Jack Sparrow afin de mettre fin aux agissements maléfiques de David Jones. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, cet homme, à paraître mort? Ouais, non, mais il a... C'est vrai qu'on le juge un peu vite. Et après ils sont là, oui mais parce que t'as récupéré une pièce, ils viennent et ils te hantent et tout. Mais ce pognon lui appartient. C'est pas un peu du racisme envers les morts là? Un type sympathique, hein. Toujours bonjour, toujours bonsoir, il aide les vieilles dames à porter leurs courses. Un mec sympa. Jamais on aurait cru ça de lui. Puis le mec fait les meilleures crevettes. Ah non mais elles sont excellentes. Il les pousse lui-même. Les
cueille sur lui le matin. Est-ce qu'on pourrait... Ouais, est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce qu'on s'attaquerait pas d'abord à eux? Avant de faire la suite de la quête. En partant du principe... Peut... Ouais, ça fait partie couler de la quête. Couler leur bateau de péteux, ce serait qualitatif. Hein. Bah oui, puis en plus, ça alors, nous de façon, protégerait. Je crois qu'ils se cassent. Donne au moins pas commencer à manœuvrer. Oh les lâches! T'es sûr qu'ils sont pas en train de se battre l'un contre l'autre là? S'ils sont en train de se battre, ils se battent très lentement. Et nous, on est en train de faire quoi? On se déplace très lentement, donc on va pas juger. Hein. Voilà. Le navire qu'on va baptiser le Fun and Furious. Ah, c'est vrai que c'est les deux mots qui définissent ce qu'on est en train de vivre. Feu, hein? Let's go, hein? Allez! Ah, j'ai réussi à rater le mât, dis donc, sur un navire à l'arrêt, je suis fort. Allez. Non, non, tiens pas avec de la musique psychologique, là, tire. Allez, mon... On est en train de s'en prendre à les navires qui sont... Ouais, il faut leur mettre plus de ouais. Ki, là. Ouais. Est-ce qu'on va avoir assez de boulot? Bon, j'ai raté tous les... Tout ce que je voulais faire, c'est bien. On est d'accord que les différentiels de pression permettraient pas à un être humain de nager si profondément, genre totalement à la brasse. Faux, ce jeu est à la physique, voilà ce que DCS est à l'aviation, donc c'est très crédible. Voilà, prends un sceptre à pompe. Bon alors, il y a la musique. Elles qui sont est où flippante, les elles sont où mais... les vagues? Oh la belle! Oh, oh c'est Poulpi! Et on va s'attaquer au Kraken avec ça? Oui. Ça, elle nous appelle. C'est un piège. Elle nous appelle des marcheurs de terre. C'est du racisme, cette saleté de face de poisson. Oh. Moi, je suis poisson fluide, t'arrêtes tout de suite. Je suis une demi-poule. Je m'identifie comme une tortue de mer. Mes pronoms sont. Mes pronoms sont Ubut, Ubutun. On nous insulte depuis mais c'est tout à l'heure, vrai, je me demande c'est vraiment un méchant de James Bond, hein. Non mais c'est ouais. Ça. Mais je vais raconter ma vie pendant 30 minutes et voir ce qui se passe. On dirait vraiment c'est les méchants de Diablo. Mais vous avez vaincu mon premier monstre. Mais vous verrez le prochain et il vous tuera. Et puis dès que tu l'as tué, très bien, vous avez eu celui-là. Mais le prochain vous aura. Vous êtes mon dernier rempart, général, le plus fort des armées. Vous auriez pu m'envoyer en premier. Vous auriez gagné du temps quand même, j'étais niveau 2. Revenez victorieux ou ne revenez pas. Bon bah adieu. Je vais pas pouvoir vous atteindre, les gars. Je vais me faire attaquer dans le... Nage. Non, je fais ce que je peux là, mais... Nage. Oh, joli tir, ça par contre. Je vais mourir de décès là, en arrivant là. Allez hop, elle est morte. Je sais comment ça se passait. Je vais arriver face à l'espoir et on va me retirer. Mais ah oui, merde, c'est sûr comme ça la vie. Moi j'ai suivi le lore, ces saloperies le défendaient. Ah ouais, alors c'est qui David Jones? Non, alors c'était pas le Black Pearl. À l'étage, il y avait le Black Pearl. Là, on est dans un bateau qui appartenait apparemment à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre sur lequel il y a quelque chose qui permettrait de réactiver le Black Pearl. Et comme ça, c'est considéré comme étant la propriété de ces communistes de sirènes, elles nous attaquent. Nous, on les book parce qu'on est capitaliste et donc on a raison. Et de fait, on récupère le bateau. Tout bien parce expliqué, qu'il a toujours... j'ai tout compris. Parce qu'il a toujours été à nous, voilà. Et je peux pas sprinter, donc je polochonne jusqu'à toi. Tu polochonnes? Oui, oui, de la petite sirène. Oui. Ah oui, tout à fait. Quelqu'un est en train de faire de la musique sous le... C'est moi. Sous l'eau. J'ai mon accordéon aquatique, les mecs. Ça les fait chanter, c'est des sirènes. Bah ouais, non mais faut fais les frapper. Fais les couiner. Tiens. Chante. C'est une sirène. Chante mieux. On aime pas trop les sirènes par chez nous. Peut-être les taper en même temps. Ah non, ça doit être un Simon Says, effectivement. Faudra regarder dans quel sens ça brille. En haut, en bas et à gauche. C'est bon, c'est ouvert, yes, on s'en bat les couilles. Ça. On s'en bat les couilles, on s'en fout. On s'en fout, culture, lui, on y va. Nique leur culture. Nique leur culture. Oh putain, c'était violent quand même.
voici notre culture millénaire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de chier dessus? Oui, cette serrure était la préférée de Louis XVI, réputée inviolable. C'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert. Le Sibylle Stéphane Berbe en train de pleurer. La porte, elle est en carton, c'est ouvert. Le mec aux visites au Japon, le palais intérieur. Oh, les murs, elles sont en papier, Polo, vas-y, passe. On s'en bat les couilles, passe tout. Et t'as le générique au fond. America, fuck yeah. Et y'a mon chat qui est arrivé. Mais attends, bien, y'a d'autres joueurs ou quoi? Non, c'est mon chat à moi, mais là par contre, en effet, le chien, c'est... Bah ouais, mais tu vois, on entend d'autres joueurs. Ouais, attends, donc c'est je bon. Pense que c'est leur instance qui est mélangée. C'est bon, j'ai pris le chien, on se casse. On se casse. On a tout, on a tout. Rendez-nous le chien. On a un champomis. Champomis d'abord. Je peux pas grimper. Aide-moi, mon chat. T'envoies la patte. Mon frère. Au secours. Ça a marché? Non, c'est la plante en fait, je crois qu'il a bougé. Hein. Attends, en fait, je vais faire. Non, ça a fonctionné! Essaye celui du fond. Ok, je vois. Ouais, tu l'as encore! C'est bon, on l'a! Mais non! On l'a! Nique leur culture! Ils ont pas de culture! Yes, bravo José! C'est bon! C'est des poissons! Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai! Prends ça dans ton surimi, mon gars. Je veux dire, le centre nerveux du principe de leur culture, c'est de se noyer. Facile. Shit. Je vais lever l'encre. On se fait défoncer, là. Tirez au sniper sur ces fumiers. Ouais, je sais ce que je fais. Sniper. Oh, Jésus. C'est bon, on l'a eu. Bon, très sincèrement, cette seconde aventure, outre le fait qu'il a fallu mettre 30 000 ans pour y arriver et qu'il a fallu nager un petit peu, meilleur. Là, il y a un meilleur rythme. Moi, j'ai envie de dire, attendez qu'on soit de retour à la surface pour que les autres disent, il est où notre bateau? Ouais, par contre, complètement. C'est-à-dire que la première fable, en fait, c'est pas une fable. C'est juste du lore. Oh, c'est Jean-Michel le Kraken. Je disais, encore, tire dessus. Allez. Attention, hein, le Kraken, il va se battre, là. Hein. Arrière tentaculade! Notez que les sirènes sont sympas, elles laissent des navires échouer monter sur des chaînes pour qu'on puisse doucement remonter vers la surface. Ah, ça y est, il y a mais tu comprends pas, c'était le plan. C'était le plan de la reine des sirènes. Elle le disait dans le lore, je sais pas quel plan, mais. Maillard, tu feras gaffe, derrière toi, il y a une tentacule. Oh, ah ouais, en effet. Il me reste une banane. Tout repose dessus. Ah, j'arrive. Il est parti! Ah! C'est mon retour en fait qui l'a fait fuir? Oui, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, c'est ce qu'il fallait faire alors. Je crois que je mets. Ah, le jeu il m'a TP dans un endroit bloqué. Bah, t'es vers Zygma, je pense. Ouais, et ça va se débloquer, Ça va se débloquer parce qu'en fait elle finit de nous insulter d'abord. je suis apparu dans la suite. Ah, mais je suis en face de la boss! Tout seul! Elle est où la bouffe? Au secours! Derrière, on se rejoint. D'accord. Ah, j'espère que vous êtes contents. Par exemple, c'est fermé parce qu'en fait, ça considère que c'est une arène. Bah, en fait, toi, tu meurs. Ça serait bien. Je tue le boss avant, tout seul. Je pense que tant que tu es dans l'arène, ça ferme l'arène pour pas que tu puisses te barrer. Tu la tiens. Ah, presque. Tu l'as, champion. Vas-y. Non, je vais pas pouvoir. Si il y a un levier, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est rouge en tout cas. Let's go! Je suis Eric de la petite sirène, elle est où Ursula? Oui bah viens te battre si tu as des. Ça viens frotter. Viens faire petit frotta, viens aligner tes œufs là devant moi là. Que je pisse dessus. Je sais pas que penser de ce genre de propos. Ah, revenez à la reine sirène qui demande à se faire claquer par contre. Ah, attendez, elle est décédée je crois. Ah bah quand même. My Siren King, forgive me. Oui enfin. Oui c'est ça. On pourrait penser que les mecs saisissent la subtilité sociale de quatre gars qui s'en battent les couilles et jouent de la musique et arrêtent de raconter leur life si tu veux mais non.
Tu crois qu'à ce moment-là, les développeurs, quand ils ont fait ça, ils se sont dit « Mais ça va être génial, tu vas voir les joueurs, ils vont tellement se sentir à fond dans Pirates des Caraïbes. Ça va être tellement génial, ils vont rencontrer les personnages. » Des dialogues de plusieurs minutes à suivre que tu peux pas passer. Mais j'ai l'impression que les développeurs, c'est des gens qui parlent chez le dentiste, même quand ils sont anesthésiés, tu vois. Et on voit notre bateau de là. Et les PNJ sont toujours dedans. Ils sont bloqués, ils peuvent pas. Qu'ils ne le coulent. Mais eux, ils vont faire partie des gens, tu vois, qui vont aller sur des chaînes de stream et qui vont dire la fable numéro 2, elle est bloquée. Elle est buggée. On peut pas la faire. Voilà. Eux, ils feront ça. En fait, c'est ça. Moi, je pense que beaucoup de gens disent que la fable était buggée parce qu'en fait, c'est des brainlets, hein, il faut le dire. Ça. Le bateau, on le voit. Et il est en état impérial. Pas une rayure dessus. C'est il y a quand même un trésor de un gobelet dedans. C'est la couleur pomme et rouge, qui a intimidé, hein, je pense. Hein. C'est vrai. Il y a une améthyste dedans, tu respectes. Hein. Ah, excuse-moi, j'ai été un petit améthyste qu'on a obtenu, qu'on a trouvé par terre. Qu'il n'y avait rien par à terre voir. Terre sur la cale d'un bateau qui venait de couler. Vous arrivez à lui mettre des quilles ou pas? Non, il fait le tour en fait. Pour l'instant, continue vers le nord parce que il a le maximum de points de vie comme on est en galion. Ah merde. Donc il va être long à battre. Ouais, mais c'est épique. Hein. Ok. Moi je fais comme vous le souhaitez. J'écope, hein, vas-y, répare. Est-ce qu'on a assez de boulets de canon pour ça ou pas? Je ne sais pas. Sans doute, on en avait récupéré plein. Ouais, mais on en a utilisé plein sur deux petits navires finalement derrière. Ah si, c'est je dis ça comme ça. Okay. Je m'en occupe moi. Avec Odieu, on est en train de rustiner là. Ah, je vois pas bien. Attendez, il va foncer là. Il va peut-être nous charger, c'est l'occasion de mettre. Eh oh, on coule. Quoi? Ah bon? Et bien sûr qu'on coule. Ah. Effectivement, ça coule. Il y a un peu d'eau. Ah la vache! Oh merde! Je rustine. Ça mouille, ça mouille! Ah, mince, on a coulé! Ça mouille! Non, mais c'est possible encore! Écop! Mais non, c'est plus possible! Mais non, mais. Écop! Mais non! Bon bah voilà! Allez, bravo! Donc en tout cas, c'était très très cool. Merci aux dieux, merci Zygma, merci Bob. On se recapte pour du JDR et du lore. C'est ça. Très bientôt. Avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. Merci infiniment. Ça marche. À bientôt. Bisous. Salut. Bye.